Allez, salut tout le monde, c'est Eto, bienvenue dans cette nouvelle session Amnesia Rebirth sur la chaîne. Épisode 3 aujourd'hui, épisode dans lequel nous venons de nous faire courser par une créature somme toute assez hostile. Nous avons identifié, via un message, des survivants que l'on essaye de rejoindre, qui sont dans un village qui est au sud de la zone où on est. Et donc nous, dans un premier temps, nous allons tenter de nous échapper. Et évidemment, sur live, personne ne dira qu'on est resté planté pendant 3 secondes ou 4 peut-être sur l'énigme, le temps de lancer la VOD. Allez, c'est parti. Donc là, on va se débrouiller. Ah, je peux faire feuille ici carrément. Comment ça? J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Attends. Ok. Alors attends, je regarde. Donc ceci est une balle vide. Ah zut! Ah, et là il y a une clé. Donc de toute façon il va falloir se mettre bien. Je regarde hein, parce que du coup ça m'interpelle. Donc nous dans tous les cas on voudra aller là. Ok, bon, alors, on a la clé, on va essayer d'ouvrir tout ça, et surtout, on va passer en mode immersion, j'avais dit à chaque fois que dans ce jeu, on se mettrait comme ça, voilà, un peu mieux. C'est pas cette porte ici, c'était l'autre, par là-bas. Merci Light Shadow, merci beaucoup. Merci pour les abonnements, merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci Turtle également. J'avais la clé, j'imagine que c'est celle-là. Voilà. One. One love. One line. Je vais juste faire quelque chose qui me perturbe un petit peu. On va monter un chouï les contrastes, et je pense que je vais augmenter un chouï les gammas. C'est pour que ce soit de meilleure qualité sur YouTube, parce que j'ai vraiment l'impression que ça gêne beaucoup le côté sombre. Donc là au moins comme ça c'est réglé. Alors on a effectivement de la lumière qu'on pourrait mettre ici. Nous ce qu'on est en train de chercher donc c'est une munition pour le tank qui nous permettra de faire une brèche. Je sens qu'elle est assez précise vis-à-vis de ce qui va nous arriver. Alors, je vois comment on va faire ça. Tasser la poudre. Tasser du charbon moulu. Et 8 tasses de salpêtre. D'accord. Alors, de la poudre. Il nous faudrait de la poudre. S'il n'y a plus beaucoup de soufre en stock, cherchez de la pommade au soufre dans le stock de médicaments et faites-la bouillir pour l'extraire. Ce n'est pas idéal, car cela rend le mélange de poudre imprévisible. Mais c'est mieux que rien. Demandez à Caporal, qu'à dire. Enquête. Donc on est reparti pour une phase d'énigme. J'ai commandé la salpêtre pour tanner, mais pas pour votre poudre. Je l'ai déplacée dans mes entrepôts et il y restera. Oh punaise, tout est caché partout. Surveillance du portage des entrepôts du 10 février. Important, avant que vous ne montiez la marchandise dans le bâtiment principal, vérifiez que le caporal de la croix est disponible. Le quartier-maître doit être présent à tout moment pour vérifier la livraison. Ne laissez pas les caisses en plein soleil. Je le sens pas du tout. C'est pour toi. Ah! Non, zut! Bon, c'est pas grave. Au moins, on éclaire un petit peu, on voit mieux. Alors, que vois-je ici? Ne pas s'en servir sur du métal. Très bien. Et là, on a quoi? Huiler la lame après utilisation. Je sens qu'on va... On va se la jouer un peu chimiste, là, mais ça va être... Shit! Bon, refais jamais ça. Hein. La vache.
Heureusement qu'on était pas en train de courir. Ah, quelques objets. Bien. Alors on voit les choses. Ici, il y a de la lumière. Dont on n'a pas nécessairement besoin maintenant. Quoique, on voit pas grand chose, hein. Bon, allez. On va s'en occuper, tant pis. Ah, mais si, on en a besoin pour faire bouillir les trucs, donc si, si. Bon, bah voilà. Alors, que vois-je ? Charcoal. Du charbon. Alors, le charbon, il va falloir qu'on le broie au bout d'un moment, ça on l'avait dit. Est-ce que vous pensez que ça sert à broyer le charbon par exemple? Ok. Alors on a la poudre de charbon. On a dit que c'était ça qu'on mettait en premier ou pas? Je ne sais plus. Je regarde. Alors dans un premier temps... Non. Le soufre. Alors le soufre, c'était le mélange qui allait être à ébullition. Oh joli. Oh, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Sauf qu'a priori, c'est pas tout de suite. Hein. Bon, on va avancer un petit peu. Pourquoi tu stresses comme ça? Détends-toi, hein. Jean? Et là, votre avis, est-ce que c'était le bon plan? Maybe this isn't such a great idea. C'est moi où j'ai fait un saut dégueu? Ah, qu'est-ce qui se passe? Attention. D'accord, donc là, en fait, on a juste mis de la lumière pour faire joli. Et bah ça valait le coup. Non, il doit y avoir un truc avec la lumière quand même. J'espère qu'on n'a pas fait ça juste pour se rassurer un coup. Careful. Careful. Bon. This is rigged. Some sort of trap. Il y aura un chouille quand même. Non. Ah zut, à chaque fois je me fais avoir, c'est terrible ça. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on trouve, hein. Quel était l'objet qu'on devait faire fondre déjà avec le soufre? Si quelqu'un l'a, je suis curieux. Alors, il y a une grenade dans ce que je vois. Ah oui, donc faut surtout pas ouvrir. Si j'ouvre, je meurs là. Oh merde, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai quand même claqué 3 allumettes pour cette connerie. Hein. Alors, de ce que je vois ici, il y a une histoire de fenêtre quand même. C'est-à-dire que là, concrètement, bon, ok, ça semble un peu verrouillé. Ok, là, il y a le cadavre qui est là. Mais surtout, ok, il y a une ouverture. Et donc l'ouverture, si j'en crois à ce que je vois, en fait, elle peut commencer par ici. Je peux faire ça. D'accord, j'ai compris. Vous avez confiance en moi? On va faire une Aladdin là. Vous avez confiance en moi? Hop!
easy. Bonjour. Bonjour, je cherche de la pommade, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez vu de la pommade? À ceux qui nous trouveront. J'ai échoué. Nous avons essayé de mourir par défi. Mais ces démons ne nous le permettent même pas. Les cris ne s'arrêtent pas. Je ne peux pas les arrêter, c'est insupportable. C'est insupportable. Ils traitent mes hommes comme un enfant cruel traiterait un chiot, tirant de la joie de leur souffrance, en me regardant tout en le faisant. Alderic ne cesse d'hurler mon nom. Gardinia a cessé de respirer. Il a de la chance. Le suicide est un péché, mais le Seigneur nous a abandonnés, et je ne donnerai pas à ces démons cette satisfaction. Alors je prends position, et je choisis ma propre mort. Je vous en prie, ne dites rien à ma chère Aurélie de ce destin funeste. Dites-lui que nous sommes morts pour une cause glorieuse et noble, et que je suis un père dont elle peut être fière. Elle n'a rien fait pour mériter cette souffrance. Capitaine Augustin Lefebvre. Allez, les pieds sur la table. Alors, on peut rien faire de ça. Alors. Pour la petite info, moi j'aurais bien récupéré de la poudre ici, mais... chose. Ça c'est quoi? Une dose de Landerum? Ah oui c'est ça. Si jamais j'ai besoin. Si jamais la folie m'emporte. Il y en a beaucoup hein, de cette substance. Medical supplies. If I'm lucky, they store plenty of sulfur. Perfect. Élixir de Laudanum. Opium 2 grammes à 1 once. 1 once. Jusqu'à 14 ans, machin, ok, ne pas utiliser pour les enfants. Ok. Très bien. Sédatif hypnotique dans des quantités excessives. Hein. Vous l'avez vu, c'était l'info importante. Donc faut pas non plus en abuser, j'imagine. Où est la clé? Perso, j'aurais gardé la grenade. Mais moi aussi, je comprends pas qu'il garde pas la grenade, là. Hein. La black box. Est-ce qu'il y a une clé sur lui, peut-être? Non. Ah oui, et ne pas utiliser sur les femmes enceintes aussi, c'était écrit. Effectivement, bien vu. Info, somme toute... assez percutante. Alors je l'ai cassé parce que j'ai espéré trouver des objets dedans. Mais non. Alors ici il y a un décapsuleur d'œil. Ah! Des allumettes, très bien. Je trouve pas la clé pour sortir. Mais non! Mais non! Mais elle existe cette clé, c'est obligé. Bon bah écoutez, on va refaire le saut dans l'autre sens, tant pis. Mais ça me semble bizarre, hein, parce que là, il te montre clairement que tu peux ouvrir. Alors, à moins que je l'ai pas vu, mais qu'on l'ait eu. Non, 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 on l'a pas eu. Je me suis trompé de bouton. Bon, c'est pas grave, on va servir de ça vite fait. C'est pas grave. Ah, attends, et lui? Non. Bon, bah écoutez. Ah non, mais c'est mort. Non, non, c'est mort. Ah, au secours! Au secours! Aidez-moi! Je suis perdu! Alors moi je veux bien faire péter la grenade mais... ça fait un peu escape game exactement. Bon c'est pas là-dedans. Non ça sonne creux.
Bon, écoutez, il y a un moment, faut prendre ses décisions. Non, 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 non. Je maîtrise. Donc c'était bien ça, hein. Ah, pratique. Alors, normalement on a tout, donc il y a le salpêtre quoi qu'il faut qu'on trouve. Mais donc, le soufre en poudre c'est bon, le charbon moulu c'est bon, donc on va commencer par ça. Donc on prend le soufre, le charbon moulu. Attends non, faut le tasser à chaque fois je crois. Ouais, je sais pas. Petit chat, il n'y demande à l'autre une gamme par là. D'accord. Well, ok, donc là il manque le salpêtre. Bon, c'est pas un truc que j'utilise tous les jours, hein, donc effectivement, j'ai pas forcément toutes les refs. Alors il est dit dans la cave, hein, je crois. Mais alors dans la cave, qui n'est pas un endroit ici. Parce que là, donc on n'est pas dans la cave, effectivement. Là, c'est bon. Me dites pas que je dois retourner dans l'autre zone. Oh le flip. Oh le flip. Attention à toi. Attention à toi, tu me fais pas. Mm-hmm. Ça me fait si peur. J'ai pas envie de retourner. Non. Je vais relire attentivement le mot. Il disait: j'ai commandé le salpêtre pour tanner, mais pour votre poudre. Non, oui, c'est bon. Je l'ai déplacé dans mes entrepôts et il restera. Oh bordel. Donc là, on est d'accord qu'on n'est pas du tout dans le bon endroit. Allez hop, c'est parti, demi-tour. Ya. Attends, à moins que. On va aller voir ça. Donc le salpêtre dans le quartier maître. Est-ce que c'est la zone de la radio? Je pense que oui. Mais est-ce qu'on aurait déjà dû le voir? En plus c'est 8 machins de salpêtre je crois. Enfin c'est énorme. Après je pense qu'il va, il va choper un bout et puis ça sera bon quoi. C'est là hein, on est d'accord. Dans mes entrepôts. Ça me fait très très peur. Donc c'est pour ça qu'on peut revenir ici en fait. Alors je vais quand même regarder si c'est pas directement là, ce qui serait vraiment le plus avantageux, mais je pense que ça serait du rêve. Oula. Arrête, arrête, tu me fais pas, casse-toi. Tu as peur, tu as peur, tu as peur, arrête. C'était le tanneur, effectivement. J'ai envie de croire que c'est ici. C'est dans ses entrepôts à lui. Ah. Allez, on va imaginer que c'est là. Oui, c'est ça. Boum. J'ai très peur. J'ai très très peur. Allez, on part. Allez, allez.
Il y a rien du tout, je sais pas de quoi vous voulez parler. Non, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu un bruit? J'ai pas entendu. Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que la créature, je l'ai entendue parce qu'elle doit intervenir ici dans le jeu? Ou est-ce que je l'ai entendue parce que je suis arrivé trop loin dans la folie? Ça, on ne le sait pas. Je pensais que c'est du script, ouais. Moi, je pense que c'est la sonnerie de votre téléphone. En fait, il n'y a pas de bruit hein, dans le jeu, c'était chez vous. Vous avez regardé sous votre lit? Je pense que c'est ça. So far, I still have all my fingers. Head up and try it out, I guess. Alors, je vous avoue que là, au niveau du rythme, je trouve ça dommage d'enchaîner une grosse phase d'énigme avec les roues et tout ça de la catapulte. Little one. Et d'avoir en plus derrière le truc de la balle. Just a dream. Je trouve que c'est un choix étrange. Bon, on a qu'une balle. Hein. Ok. Et on met la balle. Ready. I almost wish I had well. What could go wrong? Attention. Tire dans 3. Alice? Little one? What? Fuck, that hurts. Ah! Oh! God, little one! Break, but they're not broken now. What the hell? Are you all right? I don't know how to tell. Shit! Quel enfer! Je suis bloqué. Bonjour. Vous auriez les clés, s'il vous plaît? I need to get out of here. I can't carry on like this. I need to get to the doctor. Allez bébé, ça va aller. On y va. Il n'a pas à s'inquiéter, il est entre de bonnes mains de toute façon.
On n'est pas inquiet. Tout va bien. Il n'y a juste aucun souci à se faire. Quoi ? What ? Si nous voulons enquêter davantage, nous allons devoir construire un... Ah ! Ah, qu'est-ce qui se passe ? Non ! That was you. I can feel you. I felt you move. Hello. Hello, my little one. I hope you're not hurt. Don't you worry. Si, il s'en sort indemne. We'll get you home. Oh bordel. Trop bien la mécanique du bébé, hein. Très très bien. Difficile de comprendre exactement où nous sommes. Difficile de comprendre si c'est une vue du dessus ou non. Si nous voulons arrêter, donc on disait oui. Si nous voulons enquêter davantage, nous allons devoir construire un échafaudage. Pour cela, nous aurons besoin de bois et d'une grande quantité de cordes. Je crois que les murs se sont fracturés en profondeur. Le niveau de l'eau était beaucoup plus élevé auparavant et l'on peut voir de la lumière à travers de l'eau. Bon allez. On y va bébé. T'inquiète pas. On gère. Damn you. Une fois, on parlait des plans de ouf. On est en peinture. Pas de vertige. Shit. Oh putain, vertige. Stay calm. Stay calm. Vous avez vu là-bas ? Il était nu. Absolument rien se passer de grave. On est sur un rail. Qu'est-ce que c'est que ça? On that day. The people thronged the byways of the city. When the doors of the tower opened, the name of their new empress rippled through the crowd before her like dye into water. Tehana, blessed Tehana. She stepped down, bareheaded and barehanded, dressed in a simple robe. And she walked amongst the people. Some cried out with joy, some wept openly. Behind her came Tamaku and the rest of the alchemists, bearing a litter on which rested seven
crystal orbs. What in the name of God? Régnant dans la partie sud-ouest du monde, possède 20 grands ducs pour l'assister le jour et autant la nuit, possédant eux-mêmes plusieurs serviteurs pour les assister. 8 des principaux ducs appartiennent au jour et autant à la nuit, car ce nombre est suffisant pour la pratique. Les 4 premiers qui appartiennent au jour ont 40 serviteurs chacun. Et c'est également le cas des 4 premiers qui appartiennent à la nuit. Les 4 derniers qui appartiennent au jour en possèdent 20. Et les 4 derniers qui appartiennent à la nuit, 10 chacun. Ils sont tous de bonne nature et prêts à vous obéir. Ceux qui appartiennent au jour peuvent être appelés durant le jour, et ceux qui appartiennent à la nuit peuvent pendant la nuit. Voici leur nom et sceau. Les 8 ducs suivants appartiennent au jour. Est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer là? Combien de doigts ont les ducs? C'est ça! Est-ce que vraiment on va devoir faire cette énigme? Je sens que oui, on va voir au pire. Ça va, je suis à l'aise sur ces trucs-là, ne vous inquiétez pas. C'est le 3e jour. Je suis tombé sur un groupe de voyageurs morts. L'une des leurs est souffrante, frappée par la malédiction des écrouelles. J'ai donc prié avec eux pour qu'elle survive et puisse atteindre la grotte de la mer au plus vite. Ils m'ont dit que Tessamt est à 2 jours de voyage et que tout devrait bien se passer. Mais il reste un obstacle à surmonter. Le chemin qui y mène traverse le territoire d'un certain Tarkan Reis, un baron voleur ottoman. Les pèlerins doivent payer une lourde taxe pour accéder à mon eau. Ainsi, pour passer le col de la montagne, il me reste des épices et 3 talers. J'espère que cela sera suffisant. Pour les gens du chat qui sont très chauds, évidemment, je sais que vous aimez quand on participe tous ensemble. Faites un screen tout de suite. Un pré-écran là, hop. Vous me direz la réponse tout à l'heure. Allez, c'est parti. On y va. Solus interactif, c'est maintenant. Wow, que se passe-t-il? I can hold on. I swear. Alors c'est ironique parce que Elena Holmes sur le chat nous dit mon cerveau a fondu. Non mais n'importe quel cerveau peut fondre mais pas le tien en théorie. Ou alors j'ai pas compris la série mais... le film. Enfin bref, on s'est compris. Ok, heureusement j'ai pu faire ça tout doux. Alors est-ce qu'on voit des objets? Oui, les allumettes. Je vais retester la porte qui était là-bas. Parce qu'elle elle m'inquiète. Bon, c'est bon. On n'a pas peur. Mince. Bon, au moins je sais que c'est la merde. Allume le feu. Il est où? La lumière. Il faut la lumière. Là. Un drôme, gars. Putain de sa... Pardon.
Je m'en remets. Vous avez peur, vous ? Moi, non, hein, ça va. Franchement, easy. Allez, on va y aller tranquille, hein. Pourquoi t'as peur comme ça ? Moi, je suis limite. Hein. Désolé pour mes propos, hein, évidemment. Je suis pas comme ça, ni vulgaire d'habitude, mais là, j'avoue, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai mal à comprendre à quoi ça va servir. Je comprends hein, qu'il faut déplacer dans un sens ou dans l'autre, c'est pas un problème. Et là je comprends du coup qu'il faut aller à gauche. Mais en fait il ne veut pas. Ah d'accord, ok, j'ai. Là, il voudrait, mais il ne peut pas, parce que... Oui, c'est ça. Ah, c'est pour faire bas, en fait. D'accord, ça y est, je l'ai. C'est que j'avais pas le bon mouvement. Ah, ça n'a pas marché mon truc. On va le relever. Au moins il faut faire en sorte que le... Il doit y avoir une échelle ou un truc comme ça. Et donc faut que j'arrive à lever ça. Et ça je le rabaisse. Pour que ça retombe dessus quoi. Voilà. À mon avis, c'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que je suis dans le vrai ? Je ne sais pas, mais... J'ai envie d'y croire. Ah, fais pas l'enfant ! Mince !
Alors ça, je ne m'y attendais pas. Je vais juste regarder si ça s'ouvre ou pas avec la machine. Parce que là, je sens arriver le truc évidemment qui va nous piéger. Bon, j'espère qu'il fallait pas garder l'os pour pouvoir réajuster le bazar, quoi. On va voir, mais ça me fait très peur cette histoire. Alors, non, c'est pas ça. Je regardais quand même, deux secondes. Il n'y a pas de lumière bleue. Oui, mais c'est la lumière qui est en haut. Parce que là, c'est complètement bloqué. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors après, je pourrais faire une gruge. Hein, c'est pas le problème. Hein. Mais ça... On va tenter. Je tente mon histoire, là on va voir si je peux débloquer ici. Ah sympa. Bonjour. Voilà. Donc j'avais bien trouvé l'énigme, mais c'est juste que je l'ai fait dans le désordre. Vous en pensez quoi des énigmes de ce jeu? Parce que je suis un peu entre deux, je trouve que, en fait... Bah dites-moi vous ce que vous en pensez et après je dis. Mais non. Allez, on... Alors Light nous dit c'est pas toujours super intuitif, c'est pas méga dirigé, ouais. C'est pas forcément ça, mais c'est vrai. C'est bien parce qu'il y a des méchants monstres qui font peur, ok. Moi je trouve qu'en fait il y a un problème de rythme, c'est-à-dire que le début était super rythmé entre exploration, découverte et tout ça. Et là depuis un petit moment, là ça fait à peu près 2 heures, même pas, on va dire, allez, 1h30, où vraiment c'est complètement de l'énigme en fait. C'est que de la recherche comme ce qu'on est en train de faire là. Et donc c'est pas pour autant mauvais, hein, c'est pas le souci, mais c'est juste que... Ah, bonjour. C'est juste que je trouve qu'on perd un peu le fil de l'ensemble finalement. Je vais tellement me taper un coup de flip là. Ça sent tellement pas la sortie. En fait, vu qu'on a enchaîné 3 fois les phases d'énigmes... Ah bah, je suis pas le seul à dire les saloperies. Allez, c'est bon là. Bonjour. Là où dans un Soma, par exemple, il y a aussi des énigmes, mais en fait, la narration fait vraiment le truc pour qu'on soit accroché. Et mercredi. Ce sont des crânes. Il n'y a pas mort d'homme. Quelle horreur.
Ah, pardon. Bon, ça a l'air d'aller, hein. J'ai vu un coffre également sur le côté à gauche. Ok, rien à signaler. Là, il est là, il est là. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Il est là. Il ne voit pas, il ne voit pas, calme-toi. Il sait pas où on est, il sait pas où on est. Putain! Casse-toi! Je ne suis pas là-dedans, quoi. Vache! Alors je pense qu'on est mort et qu'on revient en arrière et que c'est un petit peu la mécanique finalement de survie du jeu. Parce qu'on nous a dit hein, tout à l'heure que la créature ne nous laissait pas mourir non plus. Et à mon avis ça doit être lié à ça. Je sais que vous voyez pas grand chose, mais là de toute façon c'est un couloir donc ça sert à rien de mettre la torche. On se repère avec les bords. Oh putain! Pars! Pars! Qu'est-ce que tu fais? Merde!
nice to know you. Là, c'est le moment où t'es jaloux de... en tant qu'homme, des femmes enceintes qui, du coup, vivent ces moments-là alors que nous... on est là et nous ne sommes que spectateurs de ces 9 premiers mois. Aïe, 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 aïe. Quel jeu ! Quel jeu, quel jeu, quelle ambiance ! C'est foufou, hein. C'est vraiment foufou. Tellement chouette. Tellement chouette. Là, ça va. Au moment où je dis que le jeu il manque de rythme, d'un coup, bam ! Il en met la max. Grosse dose. On fait la petite pause ici. Parce que là, faut que je souffle un coup. On va peut-être réussir à sortir. Hein. Là, ça sent la libération. Mais le truc, c'est qu'on sort où ? Si jamais on sort. Parce que c'est même pas dit qu'on sorte d'ailleurs. Ça se trouve, c'est juste la lumière. Parce qu'on voit en haut qu'il y a encore des trucs d'énigmes et tout ça. Mais si on sort, où est-ce qu'on sort ? Eh bien, ça, on le saura très bientôt. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure. Bye tout le monde et à la prochaine.